Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 28 février 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le Prix d'Amérique Races The Turf Prix de Paris, quatrième course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 4 à 11 ans en découdront aux alentours de 15h15. Le Prix de Paris, considéré comme le marathon de Vincennes, est chaque année l'événement de fin de meeting hivernal. Ce groupe 1 réunira 15 compétiteurs pour son édition 2021. Une fois encore, derrière les cracks, il faudra élargir ses combinaisons car quelques candidats pourraient pimenter les rapports. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Davidson Dupont. C'est le cheval de très grande classe du lot. S'il reste au trot, il ne devrait pas trouver d'adversaire à sa mesure dans ce groupe 1. En deuxième choix, le numéro 6, Diable de Vauvert. Il va être à son affaire sur la distance du jour. Si Gabriele Gelormini, son pilote, lui donne un parcours planqué, il peut faire merveille ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Delia du Pomereux. Elle s'entend parfaitement avec Éric Raffin et reste sur une victoire dans le Prix de France. Si elle répète ici sur plus long, attention les yeux dans la phase finale. En quatrième position viendra le numéro 14, Baya Keno. Beaucoup de classe pour cette femelle entraînée par Junior Galpa et également drivée par le pilote originaire du sud-est de la France qui n'est pas une placée de Prix d'Amérique sans raison. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 9, Flamme du Goutier. Elle réalise un somptueux meeting hivernal, notamment au trot monté puisqu'elle reste sur deux victoires impressionnantes dans cette catégorie. Aujourd'hui, elle est capable de conclure dans les 5 à l'attelage. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Money Viking. Pierre Verquiz va driver ce bon sprinter à l'économie. S'il n'est pas loin des premiers à l'entrée de la phase finale, pourquoi ne pas le voir terminer dans les 5 premiers? En avant-dernier choix, le numéro 10, Chica de Joude. Elle a énormément de fond et évoluera sur une distance parfaite pour ses aptitudes. Si elle occupe rapidement une bonne place, méfiance. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 5, Violetto Jet. Il a d'énormes qualités et donne toujours son maximum. Venant de renouer avec la victoire, il aura à cœur de conclure dans les 5 premiers aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 4, Fairy Wood, qui peut suivre tous les trains, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, Top Prono et Turf Sélection indiquent un simple tiercé dans le désordre, faisant malheureusement un rapport dérisoire. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre prono dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.